j'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus. La trompette, la trompette de la repentance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un serviteur de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, tu es venu pour dire au revoir au monde. Pour dire à la rébellion, à maman. Pour voir la rébellion face aux femmes. Donc, je sais que tu es déjà fini avec tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un 3 jours. Fais baptiser dans le nom de Jésus. Connecter ton âme avec Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu as une bonne chose? Alléluia. 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 Voilà. Notre bien-aimé, il renonce définitivement à la masturbation. Nous allons tourner, nous allons dire Seigneur, papa, voilà, il a décidé définitivement de rompre avec tout ce qui est péché. Alors Seigneur, donne-lui la force de tenir ferme dans la vie de sainteté. Prions notre Écris-le dans le livre de vie. Seigneur, je prie que dès qu'il sera plongé dans cette eau, que sa vie soit restaurée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Mon bien-aimé Sophonie. Nous te baptisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions maintenant que le ciel s'ouvre. Seigneur, remplis-le de ta grâce. Remplis-le. Seigneur, révèle de la fermeté. Oui, la sainteté de la vérité. Oui, Seigneur Jésus, la cura de la justice, papa. Le casque du salut, les œufs de l'évangile acceptés maintenant. L'épée de la parole, avec le bouclier de la foi, dans ces mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé Sophonie, dis-moi, quand tu as été plongé dans l'eau, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as senti? J'ai senti un fardeau déchargé. Alléluia. Alléluia. En même temps, je me suis plongé dedans. Il a une force qui a quitté en même temps. Alléluia. La force du péché t'a quitté. Alléluia. Alléluia. Est tombée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu es léger maintenant pour marcher avec Jésus.
pour le ciel. Alléluia. Alléluia. Félicitations. Bienvenue dans l'armée des soldats. Alléluia. Sois béni. Alléluia. La soldat. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous qui nous suivez, donnez votre fille à Jésus. Répandez-vous, dépouillez-vous des ornements de Jézabel, des choses de Tchin, tout ce qui est de ce monde. Et venez vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Josué. Ah. Le bien-aimé Josué. Alléluia. Amen. Voilà déjà le message du Seigneur à ton endroit. Le Seigneur veut que tu prennes bien soin de ta femme, que tu l'accompagnes. Vous êtes un couple d'adorateurs. Alléluia. Vous êtes un couple d'adorateurs. Donc, vous devez rester en esprit pour adorer le Seigneur. En esprit en vérité. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour que vous avez tourné définitivement dos au monde, aux choses du monde, et vous engagez résolument pour le royaume des cieux. Alléluia. Le baptême en Jésus-Christ, c'est accepter, mourir avec lui et ressusciter seul. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à confesser? Est-ce que tu as quelque chose de particulier à demander? Après ce matin, que le Seigneur te fasse. Que le Seigneur m'aide à rester sur sa voie, à pouvoir avancer en sa compagnie avec lui. Amen. Alléluia! C'est la meilleure prière. Alléluia. Jésus. C'est ça, c'est la prière qui fait vibrer le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons recommander notre bien-aimé en plein du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, regarde ce qu'il a demandé. Il veut rester avec toi, attaché à toi, jusqu'à ce que la trompette sonne. Seigneur, exauce-le. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Jésus. Seigneur, je prie pour son fils Josué. Oh, ouais, ça me tue à tirer du monde. Oh, ouais, pour l'envoyer à la terre. Je prie, mais le monde va Seigneur, je prie de tes amis. Oh, ouais, je le délivre. Je veux que tu le sortes de la foule. Mon bien-aimé Josué, nous te baptisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort avec Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Et nous prions maintenant que le ciel sauve ton cas. Oui, maintenant. Je prie maintenant que l'onction du Saint-Esprit du Seigneur remplis-le, papa. Seigneur, remplis-le, papa. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dites-moi, quand vous avez été plongé dans l'eau, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez senti? J'ai senti le bonheur. Venez à Jésus. Alléluia. Jésus seul peut vous sauver. Jésus peut vous sauver. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est
ce n'est plus moi qui dis Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Notre bien-aimé Paolo, c'est lui qui a jeté, brûlé les jeans, les vêtements du monde. Alléluia. Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il a reçu l'évangile. Il a tout ramassé. Il a ramassé tous les choses de ce monde. Il les a brûlés, les a mis de terre du monde. Tout ce qui est diable, les a brûlés pour se donner à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Il n'y a plus moi qui vit, Alléluia. Hey! Il qui vit à moi. C'est Jésus qui vit à moi. Il n'y a plus moi qui vit, Alléluia. C'est Jésus qui vit à moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, soir le bienvenu. Voilà, quand nous parlons. Il y a des frères qui nous donnent vraiment de la joie. Alléluia. Amen. La joie qui nous anime, c'est la même joie qui anime le royaume des cieux. Alléluia. Parce que la Bible déclare que lorsque seul pécheur se repent et tourne le dos au monde, c'est le ciel qui se met en joie. Dans la semaine écoulée, nous avons publié la vidéo d'un frère qui a accepté brûler ses jeans, ses habits de tête de mort, ses habits de mondanité, ses habits de swagman. Il a déchiré tous ses choix, il a brûlé ça. Ça nous a vraiment touché. Et quand vous le voyez, il y a seulement quelques jours, vous allez voir que c'est vraiment, il a le monde en lui, il a le monde debout. Vous voyez, mais Jésus-Christ a enlevé cette carapace. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. C'est vraiment puissant. Je bénis vraiment le Seigneur. Et je te dis, mon bien-aimé, le Seigneur va faire de toi un puissant serviteur. Alléluia. Alléluia. Un puissant serviteur. Voilà ce que le Seigneur est en train de mobiliser, surtout les jeunes. Hein? Les jeunes que Satan a capturés dans les choses du monde. Jésus est en train de briser leur joug, il est en train de détruire leur fardeau pour les utiliser pour son royaume. Alors mon bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour. Oh, le ciel est en joie. Regarde comment les anges. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es venu pour déchirer ton dernier contrat avec le monde. Le baptême, c'est accepter mourir avec Christ. Être ressuscité avec lui. Est-ce que tu as une dernière chose à confesser? Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse après ce baptême? Quelle est la nouvelle ma vie? Alléluia. Alléluia. Le changement. Alléluia. 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 Oh, voilà, c'est la prière qui résume le cœur de notre Seigneur. Il veut réellement la nouvelle naissance. Il veut devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, voilà la demande de ton Fils. Seigneur, accomplis-le. Seigneur, accomplis-le pour qu'il soit réellement un instrument puissant que tu vas utiliser pour vider les prisons de prostitution, les prisons de la drogue, les prisons des boîtes de nuit, que tu vas l'utiliser pour vider ces prisons. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Papa, nous prions. Seigneur Jésus, papa. Seigneur Jésus, merci, papa, d'avoir arraché. Dieu, papa, d'avoir arraché ce grand prisonnier, papa. Seigneur, il m'a arraché. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, Dieu, Paolo qui veut dire Paul. Oui, Paul. Alléluia. Paul. Alléluia. Jésus.
Jésus, Jésus. Oui. Gloire à Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort avec Christ. Et tu es mort avec Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie maintenant que tu souffres. Maintenant, l'onction de Paul descend en toi. Oui, l'onction de Paul descend en toi. Seigneur, je nous lève donc que tu as mis que ces dons se manifestent pour te servir, pour gagner les âmes pour toi, pour le Seigneur. Au nom de Jésus, papa, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, dis-moi, quand tu as été plongé dans l'eau, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as senti? Bien avant de plonger, quand le père Ézéchiel a dit qu'on baptise au nom de Paul, quand il faisait la vénérance là-bas, il y a l'esprit qui me disait, tu n'es plus parlé des autres, tu es comme. Alléluia! L'esprit de Dieu a révélé au prophète que c'est Paul. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Je vous dis ça là-bas. Mm. Ah, j'ai gardé ça pour moi. Alléluia. Alléluia. Restauration. Alléluia. Alléluia. Ça a déjà commencé comme ça. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Paul. Hey. Never. Le monde entier, voilà une nouvelle séance de baptême que le Seigneur a conduit avec nous et nous lui rendons toute la gloire. Et comme vous le savez, c'est le groupe Jésus revient. Et la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est de mobiliser le monde entier à la repentance, c'est de sonner la trompette de la repentance et appeler le peuple de Dieu à une vie de sanctification et préparer l'époux de Christ.
pour le retour, pour son retour, les préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus. Et ce que nous allons vous souligner, le groupe Jésus revient, c'est pas un groupe, c'est pas un ministère de délivrance, mais c'est un ministère d'évangélisation. Il y a beaucoup qui font la confusion pour dire voilà, ah, j'ai tel problème et prier pour ma délivrance. La première chose qu'il faut d'abord, c'est la vie de repentance. Alléluia. Il faut que vous répentez de votre vie de péché, de votre vie de mondanité. Il faut que vous quittiez les choses du monde. Il faut que vous détruisez tout ce qui condamne votre âme, tout ce qui peut vous conduire en enfer. Il faut que vous les brûlez. Il faut que vous changez votre caractère. Il faut qu'abandonner la colère, la vie d'impudicité, la débauche, la masturbation, la sodomie. Toutes ces choses qui condamne le monde, qui conduit le monde en enfer. Mais le Seigneur veut que toi, toi qui nous suis, que tu puisses aller au ciel. Alors abandonnez ces choses et dépouillez-vous des choses de Jézabel par lesquelles les esprits de sirène puissent prendre votre vie en otage. Il faut vous dépouiller de ces choses et que l'Esprit de Dieu puisse trouver de place dans votre vie. Quand tu es chrétien, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer au ciel. Alors vous avez besoin de vous sanctifier, de vous purifier pour que le Saint-Esprit puisse entrer en vous et vous conduire dans la marche. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez trouver la vie de sanctification très difficile. Je vous le dis. Mais quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez voir que les choses deviennent très faciles. Les choses deviennent faciles. Et vous allez, petit à petit, vous allez grandir dans le Seigneur. Et vous allez devenir un vrai disciple de Jésus-Christ, préparé pour le ciel. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le prophète Ézéchiel. Votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Chrétien. Votre bien-aimé, apôtre Paul. Shalom, shalom, shalom. Et votre bien-aimé. Alléluia. Et derrière la caméra, sort de la caméra. Voilà. Voilà, et votre bien-aimé. Alléluia. Ici, c'est le prophète Ézéchiel. Ici, c'est l'évangéliste Jean Chrétien. Ici, c'est l'apôtre Paul. Ici, c'est le pasteur Apollos et le docteur Silas. Donc, vous avez les cinq dons ministériels. Ici, vous avez les cinq ministères au sein du groupe Jésus revient. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, tout ce merveille dans notre vie, lui qui a conduit encore ce moment de baptême. Nous lui rendons la gloire. Merci pour ce moment de fête, papa. Papa, nous avons fêté avec toi. Nous sommes joyeux, papa. Nos cœurs sont remplis d'émotions, d'allégresse, papa. Nous te disons merci pour toutes les âmes, papa, qui ont été conduites ce soir au ciel, papa. Nous prions que leur nom soit gravé dans le livre de vie, papa. Papa, je te prie que la nouveauté de vie que tu attends de tes enfants s'attache à chaque verset. Je te prie, merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, grand roi, tu es d'Abraham, tu es de Jacob, papa. Nous te levons, nous te demandons. Seigneur Jésus, tu es l'alpha, le méga, le commencement et la fin. Tu nous as conduits jusqu'ici. Tu as commencé avec nous, tu as fini avec nous. Nous te donnons gloire et honneur. Seigneur Jésus, à présent, nous nous recommandons à toi. Toute représailles de l'Église que l'Église va lancer contre nous derrière cet acte que nous avons posé. Seigneur, que tout soit neutre. Non, Seigneur, couvre pas ton sang. Désormais, quand nous nous déplaçons, papa, que nous soyons entourés des brebis, des chars de guerre et des anges de l'éternel qui campent autour de nous. Seigneur Jésus, papa, merci. Au nom de Jésus, merci. Amen. Alléluia. 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 Parce que fini de Dieu, souviens-toi que l'amour de Dieu est béni le roi des rois. Et bénis le roi des rois, et bénis les airs, la grâce.
Amen. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur peut ouvrir vos yeux pour voir comment le ciel est content à cause de vous. Vous allez continuer de passer jusqu'à l'infini. Alléluia. Là que vous avez posé, là que les premiers disciples de Jésus ont posé, les premiers chrétiens ont posé. Et après ces dates, il faut savoir que désormais vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Désormais, doit remarquer un changement radical dans votre vie, dans votre manière de penser, dans vos comportements. On doit noter, le monde doit noter que mais ce n'est plus Josué là, ce n'est plus Josué. Mais c'est Josué là, hier là, c'est lui ou bien c'est une autre personne. Alléluia. Amen. C'est Paolo ou bien c'est Paul. Ah, il a changé. Il n'est plus le Paolo d'hier, mais il est devenu Paul de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Hein, les copines, désormais, quand ils vont te faire un clin d'œil, tu vas dire fais un clin d'œil à Jésus. Alléluia. Vacciner contre cette vie d'impudicité. Alléluia. Je vous le dis en vérité, en vérité. Vous avez emprunté la dernière piste pour le ciel. Vous avez emprunté la dernière piste pour le ciel. Alors, ne permettez pas que Satan vous tire encore en arrière. Satan, sa prière de tous les jours, c'est que vous pouvez reculer. C'est que vous puissiez chuter pour que lui vous récupère. Mais si vous récupère là, c'est l'enfer. Mais Jésus, il vous a gagné pour le ciel. Alors, demeurez en Jésus-Christ. Ne permettez pas que quelque chose vous trouble, vous perturbe. Alléluia. Si
sur le chemin, vous sentez des faiblesses, commencez par crier à Jésus. Commencez par crier à Jésus. Et vous pouvez aussi nous appeler, soutenez-moi dans la prière, soutenez-moi dans la prière à je suis en train de sentir des têtes faiblesses. Alléluia. Et je vous dis, restez sur le qui-vive pour repousser les pensées impures. Parce que quand l'ennemi veut commencer par vous attirer, il va commencer par envoyer des pensées impures, des pensées impures, des pensées impures. Et quand il trouve des connexions dans votre pensée, c'est que vous êtes en train d'être atteint. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous demande, chaque fois que vous voulez sortir, il faut vous porter le casque du salut pour protéger votre salut contre les flèches de pensée impures des désirs charnels. Alléluia. Nous allons méditer le livre de Colossiens chapitre 3. Chez lui au nom de Jésus. À part du verset 1er. Voilà. Si donc vous êtes ressuscité voilà. Avec Christ. Nous avons dit tout à l'heure, chaque fois que vous êtes présenté pour rentrer dans l'eau du baptême, on vous a expliqué que le baptême, c'est vous avez accepté mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Alors, la Bible nous dit maintenant que si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, voici le contrat que vous avez signé, les clauses qu'il y a dans ce contrat que vous avez signé avec Jésus, avec votre âme. Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Désormais, vous devez chercher les choses qui sont en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Est assis. Alléluia. Vous devez chercher les choses du ciel. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous devez avoir désormais de l'affection. Toute votre affection doit être dirigée vers le ciel. Les choses du ciel doivent nourrir désormais vos passions. Vous ne devrez plus être attiré par les choses du monde, par les passions du monde, non. Mais vous devez être attiré par les choses du ciel. Vous devez avoir de l'affection pour les choses du ciel. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles sur la terre. Parce que vous n'êtes plus terrestre, mais vous êtes devenu céleste. Ce n'est pas les célestes là-bas, hein. Bon. Vous êtes devenus les vrais célestes de Jésus. Alléluia. Alléluia. Car vous êtes mort et votre vie est attachée avec Christ en Dieu. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. La maman entend ce qu'on connaît hier. Elle est morte en Christ. Alléluia. Elle est morte en Christ. Le frère Daniel qu'on connaît hier, il est déjà mort. Maintenant, la personne que vous voyez là, c'est une personne renouvelée. C'est une personne ressuscitée avec Christ. Alléluia. Voilà. Quand Christ, votre vie paraîtra. Quand Christ va paraître bientôt, quand la trompette va sonner. Alors vous paraîtrez aussi. Alors en ce moment, la Bible nous dit que nous serons transformés comme des anges. Nous allons devenir comme des anges. Alors vous serez aussi transformés. Vous allez apparaître dans sa gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Maintenant, vous devez faire mourir les membres qui sont sur la terre. Les mauvais caractères, votre vie passée, les caractères mauvais, la colère, la rage, la méchanceté, la nature, toutes ces choses, vous devez enterrer ça. L'impudicité. L'impudicité, voilà. L'impureté. L'impureté. Toutes ces choses, vous devez abandonner. Les passions. Les passions mondaines. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs, vous devez repousser cela. Et la cupidité. Et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. Vous devez abandonner toutes ces choses. C'est à cause de ces choses voilà. Que la colère de Dieu vient sur ces choses-là. Ces choses-là que le Seigneur vous demande d'abandonner. C'est à cause de ces choses que sa colère va frapper le monde. Mais ne veut pas vous frapper avec le monde. Parce que vous êtes désormais ses élus. Donc, il ne veut plus vous voir dans ces choses-là. Parmi lesquelles vous marchiez autrefois. Autrefois, hier, vous étiez dans le monde. Quand vous étiez dans le monde, vous vivez comme les choses, comme le monde. Alléluia. Mais maintenant, renoncez à partir de maintenant, doucement. Quand on dit maintenant là, ça veut dire que le passé est passé. Et maintenant, le compteur est remis à zéro. Et maintenant, il dit, maintenant, à partir de maintenant, dès cet instant-là, renoncez à toutes ces choses. Vous devez renoncer complètement à ces choses-là.
la vie de péché, d'impudicité, d'idolâtrie, de mensonge, de colère, toutes ces choses sont du passé pour vous. Vous devez renoncer à toutes ces choses. À la colère. À la colère, voilà. À l'animosité. L'animosité. À la méchanceté. La méchanceté. À la calomnie. La calomnie. Aux paroles déshonnêtes. Aux paroles déshonnêtes. Toutes ces choses. La bouche du chrétien ne doit plus sortir n'importe quelle chose. Tout ce qui sortira de votre bouche doit être des paroles d'action de grâce. Des paroles qui édifient celui qui l'entend. Voilà le nouveau projet que Jésus-Christ présente devant vous. Qui pourrait sortir de votre bouche? Ne mentez pas les uns aux autres. Il y a plus de mensonges. Celui qui ment est du diable. Vous étant dépouillé du vieil vous homme. Vous étant dépouillé du vieil homme. Et de ses œuvres. Celui qui est déjà mort hier. Il n'y a plus de. C'est chaud ta femme. Parce que tu as déjà enlevé le manteau de péché. Tu as déjà enterré ça dans l'eau de baptême. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Revêtu l'homme nouveau. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans la connaissance, dans cette connaissance se passe à travers la méditation, la vie de prière, la vie de consécration, la vie d'adoration. Voilà. Hein? Au moment où tu es dans ces choses désormais, ta vie va être renouvelée. Hein? Au moment où tu es dans la consécration, tu verras que ta vie chrétienne va commencer par briller de gloire en gloire. Tu vas sentir que quand tu prends la prière désormais, tu vas voir que oui, tu vas se sentir dans la présence du Saint-Esprit. Tu vas sentir que le Seigneur est descendu. Alléluia! C'est ça le nouveau projet que Jésus-Christ réserve pour toi. Frères et sœurs, si tu es d'accord pour ce nouveau projet, pour les clôtures de ce nouveau contrat que le Seigneur est en train de signer avec toi, pour le bonheur de ton âme, tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, je prends l'engagement de respecter les clôtures de ce contrat et je te prie de me soutenir dans cette marche pour que je ne chute point, pour que je ne recule pas, mais que je puisse avancer. Commence par prier au nom de Jésus. Oh, Seigneur, papa. Seigneur, je prends l'engagement, papa. J'accepte cet engagement, papa. De suivre, papa, de suivre ce contrat, papa. De suivre, de marcher selon le contrat, le clause, papa. De ce contrat, papa. Seigneur, soutiens. Seigneur, soutiens tes enfants. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, soutiens-le, papa. Seigneur, soutiens-le. Seigneur, soutiens-le, papa, dans cette marche, dans cette nouvelle marche. Papa, ne permets jamais qu'il chute. Papa, soutiens-le dans la marche. Au nom de Jésus, nous avons prié. Homme de Dieu, je les recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Père éternel, alléluia. Dieu de sainteté, Dieu de vérité, alléluia. Dieu de lumière. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de ces bien-aimés. Alléluia. Nous te bénissons également pour la vie de tes élus, de tes serviteurs, Seigneur, de tes servantes aussi, Seigneur. Nous te prions qu'après ce moment de baptême, que tu les maintiens encore dans la vérité. Maintiens-les dans la fermeté, Seigneur. Rends-les fidèles. Rends-les fidèles à ta parole. Fidèles à ta volonté, Seigneur. Je te prie maintenant, Seigneur, que des grandes choses commencent maintenant dans leur vie. Seigneur, fais de des disciples. Alléluia. Seigneur, fais de des soldats, Seigneur. Amen, Seigneur. Éternel Dieu, je te prie sainteté. Qu'ils ne détournent pas, Seigneur. Qu'ils ne se reculent pas, Seigneur. Maintiens-les encore. S'il arrivait qu'ils vont se détourner, Seigneur, soutiens-les encore, Seigneur. Soutiens-les encore, Seigneur. Éternel, je te prie maintenant qu'à présent, Seigneur, démarre de bonnes choses dans leur vie, Seigneur. Que les grandes choses commencent maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Amen. Bienvenue dans la barque de Jésus.